Yo, salut les copains, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo toute simple, la preuve, vous n'êtes pas sur trépied. Et pour vous présenter un petit peu les nouveautés du site, on est passé donc dans une version suivante, on est en 5.3 actuellement, qui se caractérise par une petite nouvelle interface. Alors, vous remarquerez certaines modifications. Je vous avais invité sur Twitter dans la semaine à ne plus utiliser Adblock, puisque tout simplement, c'est le seul moyen de rémunération qu'on a sur le site actuellement, c'est les pubs. Donc, on a mis un petit bandeau en haut. Si vous surfez avec Adblock chez nous, on vous invite très gentiment à désactiver Adblock, à mettre locan.fr en liste blanche. Pourquoi? C'est écrit tout simplement parce que c'est le seul et unique revenu de ce site, que bloquer les pubs ou ne pas cliquer dessus, c'est aussi bloquer notre seule possibilité de financement. Que locan.fr est indépendant, ne vend pas vos coordonnées, n'utilise pas de publicité intrusive, aidez-nous à continuer dans ce sens. Donc, sur votre navigateur, si vous êtes sur Firefox, vous allez faire Adblock, désactiver pour locan.fr. Et au magie du direct, en rafraîchissant la page, le petit bandeau disparaît, vous retrouvez un surf normal. Et on vous en remercie. On n'utilise pas de publicité intrusive, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de gros bandeaux dégueulasses qui vont apparaître partout, pas de pop-up pour vous dire « Et si vous voulez enlarge your pénis, acheter du Viagra ou d'autres conneries dans le genre ?» On a juste nos publicités à nous, c'est quoi? C'est ici, nos petits liens sponsorisés. Si vous avez des trucs à acheter sur Amazon, Miss Numérique ou Skinizy, c'est gentil de passer par ici, et on est commissionné. Alors je sais même pas à quel pourcentage, etc. C'est pas bien élevé. Ça paye même pas les serveurs, mais ça peut aider un petit peu à mettre un peu de beurre dans les épinards, si je peux dire. Vous avez également ici, vous voyez, les liens soulignés, je vous l'avais déjà expliqué. Les liens soulignés, c'est des liens qui renvoient vers de la pub. Les liens normaux, c'est des liens que moi je fais au moment de la rédaction d'un article et qui ne sont pas du coup publicitaires. Ces liens n'apparaissent que si vous désactivez Adblock. Donc vous voyez, la pub sur locan.fr, elle n'est pas méchante. Si vous désactivez Adblock, ben nous, ça nous aide tout simplement à avancer. Et ça serait con qu'on soit obligé de mettre de la pub très grosse et très méchante, ben juste parce qu'on n'a pas d'autre moyen de se financer. Si tout le monde met du Adblock, ben on est niqué. Si ben tout le monde joue le jeu, ou une grande majorité joue le jeu, ben on arrive à s'en sortir un petit peu. On a rajouté également en fin d'article, comme on est plusieurs à rédiger, enfin pour le moment pas trop, on a rajouté donc ceci qui vous permet donc de savoir qui a écrit l'article. Donc là en l'occurrence c'est moi, avec une petite bio, un lien vers le Twitter, un lien vers le site. Bon, c'est quand vous êtes déjà dessus. On a rajouté ici la possibilité, donc ça c'est toujours dans une vue single, on a rajouté ici la navigation pour partager les articles, etc., de manière à ce que ça soit un peu plus visible, parce que nous soutenir, et si vous aimez ce qu'on fait, c'est aussi partager ce qu'on fait, tout simplement. Twitter, Google+, et Facebook. Vous avez ici les navigations par catégorie, elles sont interactives. Si vous cliquez sur Mac, tout simplement, il va vous envoyer vers la catégorie Mac, vers tous les articles qui sont dans la catégorie Mac. On a également ouvert les commentaires à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui peut commenter. Du moment qu'il a renseigné une adresse mail, enfin que c'est un compte vérifié, c'est-à-dire qu'il a renseigné une adresse mail ou qu'il se connecte avec un Facebook ou un Twitter. Et on a rajouté par contre ce petit texte, alors que j'ai jugé au premier abord un petit peu violent, mais qui en fait est sympathique et qu'il faut prendre avec le second degré habituel sur le site. Merci d'utiliser les commentaires pour vous opposer à ce que je n'ai pas dit ni sous-entendu. Vous pouvez bien entendu afficher votre médiocrité en massacrant la langue française et son orthographe. Toutes les incohérences que vous pourriez écrire seront également appréciées. Enfin, merci de renoncer à toute civilité dans votre discours. Vous êtes après tout anonyme. Tout simplement parce que y a quand même des fautes qui sont un petit peu horribles dans certains commentaires, des personnes qui confondent les verbes être et avoir, etc. Alors on peut sortir toutes les excuses qu'on veut, qu'on n'est pas doué en français ou quoi, mais bon, l'important c'est de faire l'effort de faire moins de fautes. J'en fais moi aussi, souvent. Mes potes me reprennent et j'apprécie qu'on me reprenne en me disant « Eh, t'as fait une faute là, pourquoi ?» Parce que le verbe il se conjugue pas de telle manière, on met un S quand on écrit avec « tu », etc. C'est respecter les autres que de bien écrire, et c'est respecter les autres également que de lire ce qu'on met dans un article ici avant de poser un commentaire. Donc il y a souvent des personnes qui contredisent des trucs que j'ai pas dit, donc ça m'a fait marrer, donc j'ai voulu mettre ça. Max, c'est une idée d'un pote, Maxime, donc s'il regarde cette vidéo, ben, c'est un petit clin d'œil à lui. Les commentaires donc sont passés dans une nouvelle version ici. Vous avez remarqué sûrement quand j'ai remonté qu'il y a quelque chose qui change à l'écran. C'est tout simplement que si vous descendez ici sur le côté, vous avez ce bandeau de navigation que Maxime a gentiment modifié. Donc back to the top, qui vous amène tout simplement en haut. Ça fait mieux en anglais, moi j'aime bien mettre des trucs en anglais.
Donc quand vous êtes en bas, vous cliquez sur Back to the top, boum, et vous remontez en haut de page. Donc si par exemple vous êtes tapé tous les commentaires, boum, ça peut être sympa. Là, si avant on avait juste les logos et c'était pas nécessairement évident de savoir qu'est-ce qui a mené où, donc là on a l'article plus ancien. Donc si vous cliquez là, vous passez à l'article plus ancien. Si vous cliquez là, vous repassez à l'article plus récent. Si vous cliquez là, vous allez choper un article au pif sur le site. Ça peut être sympa, même s'il y a pas mal de voilà, la tartiflette toulousaine, même si là on est sur une vidéo YouTube que YouTube a bloqué. YouTube ayant choisi arbitrairement de supprimer la chaîne du site. Et si on vient ici, case départ, on revient tout simplement sur la home de locan.fr avec tous les petits trucs. C'est quelques petites modifications. Ici, on a rajouté, on a changé le Holcan par store qui est plus évident pour tout le monde. Du coup, quand vous cliquez là, ça vous affiche un petit bandeau en vous disant qu'il y a des goodies locan.fr et que vous pouvez donc aller faire un petit saut sur ces goodies et vous atterrissez normalement sur le store. J'ai un souci de redirection chez moi, on est en train de bosser là-dessus. Donc en cliquant là, ça vous amène sur store.locan.fr et la page donc du store avec des fonds d'écran, des petits trucs qui peuvent être sympas. On a mis une boutique de t-shirts avec des prix excessifs, mais c'est pas notre faute, on marge que dalle, on se fait 40 centimes, enfin. On se fait 40 centimes de marge sur un t-shirt qui est vendu à peu près 20 euros, mais tout simplement parce qu'ils sont fabriqués à l'unité pour correspondre à votre taille et au modèle que vous voulez, ils sont chers. Mais après, c'est une demande des lecteurs. Les lecteurs voulaient des t-shirts et autres petits goodies, donc on a fait des t-shirts et autres petits goodies et on a décidé de les mettre au prix le plus bas pour que nous, on marge le moins possible, mais que ça reste... que ça soit au maximum accessible à tout le monde. Vous avez également la navigation dans le bas, je vous le montre, mais je suppose que vous l'aviez déjà vu. Quand vous survolez ici une catégorie, vous allez avoir la catégorie, les catégories filles qui s'affichent et vous pouvez naviguer par catégorie ici. Vous avez ici sur le côté le flux Twitter du site et ici les articles les plus populaires. En bas également, l'accueil About, donc le à propos, qui a un souci de redirection actuellement chez moi. Le live, pour les fois où on refera des lives, je ne sais pas si ça arrivera. Le store, donc, et la page de contact. Donc, voyons, on va tenter le store ici. Non, chez moi, j'ai toujours l'erreur de redire. Et le contact, qui vous amène donc vers la page contact, où je précise bien, encore une fois, qu'on n'est pas un helpdesk, qu'on n'est pas là pour vous conseiller sur un modèle d'appareil photo ou pour vous expliquer comment on fait les bébés. Tout est expliqué là, et que Google a la réponse à beaucoup de questions. Donc, le site n'est pas venu tout seul, j'ai pas la science infuse. Avant de faire un article, je me renseigne, je vais sur Google, etc., comme beaucoup de personnes, et j'apprends. Donc à vous d'apprendre aussi avant de passer par là, mais pour tous les autres cas, encore une fois, on est heureux de vous lire. Il n'y a pas de souci, je fais l'effort de répondre à tout le monde, je prends sur mon temps, si c'est une question pertinente, si c'est une remarque, si c'est quoi que ce soit, autant sur Twitter que sur le site, j'essaye d'être disponible pour tous les lecteurs que vous êtes et qui nous le rendent bien au quotidien. Voilà, donc là on revient sur la home, ici en haut la nav de Facebook, de Twitter, de Vimeo et du flux RSS, ça c'est pour vous abonner et savoir en temps réel les derniers articles sur le site, ça peut être intéressant. Et voilà, j'espère que la vidéo est pas trop longue ni trop chiante, que cette nouvelle mouture du site vous convient, et je remercie encore une fois Maxime et Fred qui ont très bien bossé sur le graphisme et sur la partie serveur du site. À très vite les enfants, ciao.